Aujourd'hui, on change un peu d'air et il fait tellement bon dehors que je vais cuisiner en plein air. Vu qu'il fait vraiment chaud, on va se réaliser une petite recette de sashimi pendant qu'il commence à faire nuit. Avec le vent frais qui commence à se lever, ça va être parfait pour pouvoir cuisiner dehors. Donc pour commencer cette recette hyper simple et hyper fraîche, tu vas récupérer un cœur de saumon que tu vas tailler en sashimi. Je te conseille de prendre ton meilleur couteau pour les couper d'une traite. Ensuite, on va réaliser un petit laquage à base d'huile de sésame et trois sésames différents. Le noir, wasabi et grillé. Un petit peu de tabasco, une gousse d'ail craqué, du sel, du poivre et un peu de miel de châtaignier. On remue tout ça pour que le mélange soit bien homogène et quand on parle de fraîcheur, une bonne échalote ça fait toujours le taf. On va en prendre une toute petite et on va l'émincer très finement. Une fois que c'est fait, on va le rajouter à notre mélange et on va le laisser de côté. Vous l'aurez remarqué, vous allez me dire mais Quentin, d'habitude il y a de l'acidité dans tes plats. Et vous avez raison, vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. On va se faire une crème montée au balsamique. Vous allez voir, c'est super bon, hyper frais et trop simple à faire. Il suffit simplement de monter de la crème bien fraîche avec un cul de poule bien froid en y ajoutant le vinaigre que vous voulez. Moi j'ai pris du balsamique mais vous pouvez aussi prendre du xérès, du cidre, ce que